Nous sommes en janvier 1943 en Pologne. Un train plein de prisonniers juifs arrive à l'un des centres d'extermination nazis. De nombreux Polonais sortent pour regarder le dernier groupe qui est emmené. Les juifs désorientés rassemblent les biens qu'ils veulent prendre avec eux dans le camp lorsqu'un officier nazi appelle les villageois qui sont à proximité en leur disant « Vous pouvez prendre tout ce que ces juifs laissent, ils ne risquent pas de revenir les reprendre. » Deux femmes polonaises, se tenant non loin de là, aperçoivent donc une femme vers l'arrière du groupe qui porte un grand manteau lourd qui semble très cher. N'attendant pas qu'une autre personne le prenne avant elle, elle court vers la femme juive, la pousse à terre, s'empare de son manteau et s'enfuit à toute allure. S'éloignant des autres, elle fouille le manteau pour partager le butin dissimulé à l'intérieur. En fouillant dans les poches, elle découvre des bijoux en or, des chandeliers en argent et d'autres objets de famille. Et elles sont ravies de leur trouvaille, mais lorsqu'elles soulèvent à nouveau le manteau, il est toujours très lourd. Après avoir vérifié, elles trouvent une poche secrète dans le manteau. Et voilà qui est caché à l'intérieur du manteau, un petit bébé, une petite fille. Choquée par cette découverte, une des femmes a pitié et dit à son amie « Je n'ai pas d'enfant, je suis déjà un peu vieille pour en avoir aujourd'hui. Prends l'or et l'argent et laisse-moi le bébé de cette pauvre juive. » Son amie accepte. La femme polonaise emporte alors sa nouvelle fille chez elle au plus grand plaisir de son mari. Ils élèvent la petite fille juive comme leur propre enfant, la traitant bien, mais ne lui révélant jamais quoi que ce soit à propos de ses origines. La jeune fille excelle dans ses études et devient même médecin, travaillant en tant que pédiatre dans un grand hôpital polonais. Lorsque sa mère décède de nombreuses années plus tard, une femme âgée, qui s'était invitée d'elle-même, vient lui présenter ses condoléances avant de lui dire « Je veux que vous sachiez que la femme qui est décédée la semaine dernière n'était pas votre véritable mère. » Puis elle continue en lui racontant toute l'histoire. Au début, la fille ne croit pas la vieille femme, mais celle-ci insiste et ajoute « Quand nous vous avons trouvé, vous portiez un magnifique collier en or avec une écriture étrange, qui doit être de l'hébreu. Je suis sûr que votre mère a gardé le collier. Allez vérifier vous-même. » La fille part ouvrir la boîte à bijoux de sa mère et trouve un collier tel que la vieille dame le lui avait décrit. Elle est complètement sous le choc. Il lui est difficile d'imaginer qu'elle est juive, mais la preuve est là, entre ses mains. Comme il s'agit de son seul lien avec son passé, elle chérit le collier. Elle le fait agrandir à la taille de son cou et le porte même tous les jours. Si elle ne pense pas du tout à ses origines juives, voilà que maintenant elle peut le faire. Un peu plus tard, elle part en vacances à l'étranger et rencontre deux garçons juifs qui essayent de convaincre les hommes juifs de porter des tefilines, les Lubavitch, et les femmes juives d'accepter d'allumer les bougies de Shabbat le vendredi après-midi, la veille de Shabbat. Saisissant cette occasion, elle leur raconte toute son histoire et leur montre le collier. Les Chabad, les garçons juifs, confirment qu'un nom hébreu est inscrit sur le collier et ils lui conseillent alors d'écrire une lettre au rabbi de Lubavitch pour tout lui expliquer. Si quelqu'un saurait quoi faire, ils lui disent « ce serait bien lui ». Elle suit leur conseil et envoie une lettre le jour même. Très vite, elle reçoit une réponse du rabbi de Lubavitch lui indiquant que selon les faits qu'elle raconte, il est bien clair qu'elle est juive et qu'elle devrait envisager d'utiliser ses compétences médicales en Israël où les pédiatres talentueux sont très recherchés. Cela éveille beaucoup sa curiosité. Elle se rend donc en Israël où elle consulte un tribunal rabbinique qui la déclare juive. Peu de temps après, elle trouve un travail de pédiatre dans un hôpital et un peu plus tard, elle rencontre son mari et élève une famille. En août 2001, un terroriste fait exploser le café Sbarro dans le centre de Jérusalem. Les blessés sont transportés à l'hôpital où cette femme travaille. Un patient est amené, un homme âgé en état de choc. Il cherche partout sa petite fille qui a été séparée de lui. Lorsqu'on lui demande un signe pour la reconnaître, le grand-père donne une description d'un collier en or que porte sa petite fille. Finalement, la petite fille est retrouvée parmi les blessés. À la vue de ce collier, la pédiatre est totalement bouleversée. Elle se tourne vers le vieil homme et lui demande « Où avez-vous acheté ce collier ?» Et il lui répond « Vous ne pouvez pas acheter un tel collier. Je suis orfèvre, je l'ai moi-même fabriqué. En fait, j'en ai fabriqué deux dans ma vie. Deux qui sont tout à fait identiques pour chacune de mes petites filles. Voilà la petite fille de l'une d'entre elles. Mais mon autre petite fille n'a malheureusement pas survécu à la guerre. » Elle lui montre alors le deuxième collier et tous deux éclatent en sanglots
avant de se serrer dans les bras. Voilà comment une petite fille juive, brutalement arrachée à sa mère par les nazis en Pologne, a retrouvé son père presque 60 ans après. Shabbat Shalom.